Bonjour les amis, nouveau vlog. Le vlog d'aujourd'hui, ça va concerner le pont Mohamed VI. Et pour information, c'est le plus long pont au bout d'Afrique avec ses 950 mètres de longueur. Le pont est construit sur une autoroute de 42 km. Pour contourner la ville de Rabat et pour info, il est construit sur le fleuve Bouagrad, pas loin du barrage Sidi Mohamed Ben Abdullah. Ce projet est financé par la Banque européenne d'investissement et de la Société nationale des autoroutes du Maroc avec un montant de 3,2 milliards de dirhams. Le pont d'autoroute a été inauguré par le souverain Mohamed VI le 6 juillet 2016. Sachant que les travaux de réalisation ont été lancés en février 2011. Ces deux pylônes circulaires de 200 mètres de hauteur et 18 mètres sous terre sont évidés et abritent des escaliers intérieurs. L'espace de circulation est situé à 100 mètres de la terre et donc reste 100 mètres de hauteur à partir du tablier. Le tablier du pont fait plus de 30 mètres et possède deux fois trois voies, c'est-à-dire trois voies aller, trois voies retour. Les deux pylônes symbolisent les deux portes des deux villes, Rabat et Salé. Le pont est construit par une entreprise chinoise avec un encadrement marocain et les hauts-bonds sont livrés par une entreprise française. Enfin, attention, une vidéosurveillance intelligente avec reconnaissance faciale est mise en place. Elle assure la sécurité et permet une grande réactivité des autorités en cas de besoin. Du vlog, les amis. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog. Au revoir, les amis.